même un rendez-vous. Combien de temps que je repasse plus tard ou ce soir? Ce soir, 5 heures, 6 heures. C'est presque bon. Hein. Et puis, je prends trop haut. Bon, ben Jean-Claude, c'est bon, préparation. Ça y est, c'est en rouge, super retard. Attention. Ouais, ça y est, c'est parti. Hein. Première journée, nickel. Belle condition, parfait. Ça va le faire. Ça va le faire. Yes. Les motos sont juste là, en attente. C'est royal. Je te souhaite une bonne journée de commerce. Ah, merci beaucoup. Allez. Allez, tac. Le vidéo photo. Hop, hop, hop. Et il y a les fameux moucharabiers là. Aïe, Benadou. Bon, il n'y a qu'à prendre la porte. Ah oui, parce que le reste, c'est cool, ça. En même temps. Beaucoup de vent. Avec le petit café, pour se réchauffer. Nas. Kawan Lasnas. Un petit essai de route là pour aller voir ce passage là et on va faire demi-tour. Assemblage de poutres, il s'emmerde pas. Hein.
propriétaire du champ. Attends, je vais essayer de la prendre. Ah oh bah oui, ça va. Ouais. Et c'est bien fait. Ah, 20 euros, c'est bien. Oh, notre terrasse. Bon, bah c'est bien d'arriver pas tard à l'étape. Et ça fait arriver avant 16h. Nickel. Non, autrefois. C'est la côte, c'est le bord de mer. Mais non, c'est des collines, des montagnes très anciennes. Le col où on est passé, il faudrait regarder sur la carte, mais on devait être assez haut. Là, il y a encore de la glace, là. Il est 13h, ça a pas fondu. Que du bonheur. Et du froid. Bon bah disons, nous voilà arrivés à Imilchil, c'est ça? C'est ça même. Imilchil, on a fait une magnifique étape. On a passé un col, faut qu'on vérifie, mais peut-être à 3000 mètres d'altitude. On s'est arrêté dans une auberge pour faire le repas. On était en plein soleil, comme des lézards là, en pleine montagne, avec les moutons, les bergers au loin. Magnifique. Super. Et puis là, ce soir, Hammam pour se refaire la cerise. On est un peu plein de poussière, on a bouffé de la piste quand même pas mal aujourd'hui. Et ouais, ça restera une des belles étapes, c'est sûr. Ah, c'est vraiment grandiose hein, quand même. Ouais. C'est vrai. Au moins, bon, qu'est-ce que t'en penses? Une vue extraordinaire. Là en bas, je pense que c'est la route qu'on va prendre tout à l'heure. Pas mal, hein? Incroyable. Magnifique. Donc là, on est sur la bonne route, là, pas de problème. Hein. On va retrouver la nationale dans quoi? Dans 15 bornes, max. Depuis l'embranchement, là, on a fait tous ces petits virages-là. Ok. Donc non, on est de retour sur la bonne route, pas de problème. La piste plein de gravillons, très chiante à conduire. Ça glisse beaucoup. Très vigilant. Peut-être. Je donne l'impression de, à l'extrémité du lac, on a une épingle à cheveux. Et c'est peut-être ça un peu qu'on apercevait dans le paysage qui paraissait plus long.
peut-être. Bon, il y a une jolie cascade quand même. Hein. Mais pour le Ricard, je pense qu'il y a assez d'eau. Hein. Allez, où tu te tournes, toi? Voilà, vue de la terrasse de notre hôtel à Marrakech. Avec les draps à sécher. Voilà le petit riad de Marrakech. Jean-Claude qui vient d'évacuer. Faire un petit tour du riad. Exact. Singe là-dedans, c'est chouette, ouais, hein. C'est ça, ouais. Singe en plus. Je veux vite la foirer avec. On est obligé de prendre les personnels. Ça, c'est vraiment la tradition. On a mis en bleu majorel celui-là. C'est assez fort. Hein. C'est assez fort. Ouais. Tu veux sentir? On tire un mal grand. Et un peu plus petit, tu vois? Oui. Jean-Claude qui va voir les pêcheurs, enfin le pêcheur d'ailleurs. Voilà, nous voilà arrivés à Rabat, magnifique ville.
Ah ben Jean-Claude. Yes. Ah ben voilà. Super les petites rues, hein. Bon ben, pas tout bienvenue dans la Casbah des Unelia. Je suis comme Zef.